bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager ma routine soin du matin et ma routine maquillage. Ce sont des questions qui sont pas mal revenues ces derniers temps. Donc voilà, je vais vous partager tous les produits que j'utilise. Et comme d'habitude, les routines sont totalement saines. Alors pour commencer, je vais me dégager un tout petit peu les cheveux. Voilà, est-ce que ça passe? On va dire que ça passe. Alors pour commencer, le matin, je vais utiliser en tout premier lieu un tonique. Je ne me lave pas le visage le matin parce que j'en ressens pas nécessairement le besoin de repasser à la phase nettoyage. J'utilise donc en ce moment l'eau florale de rose de chez Melvita qui est vraiment très bien. J'adore l'hydrolat de rose puisque ça va apporter énormément d'hydratation, de fraîcheur, ça va tonifier la peau. Donc j'aime beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que je vais utiliser sur un coton réutilisable comme ça. Cela vient de chez les Tendances d'Emma. Hop, je vais en vaporiser un peu sur mon coton et je vais vraiment passer le coton comme ça sur mon visage. Ça fait trop du bien, c'est frais, ça réveille, ça sent bon. Franchement, j'adore. Voilà. Donc là, je vais faire ça, je vais passer sur les yeux. Après avoir passé le coton sur mon visage, je vais en vaporiser un petit peu directement. J'aime trop la sensation. Ça fait énormément de bien. Ça, c'est un geste que j'adore avoir le matin, surtout quand je suis pas très bien réveillée. Ça fait énormément de bien. Pour le contour des yeux, je vais utiliser l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. Je vous en ai parlé vraiment énormément de fois, mais c'est vrai que c'est une eau que j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vais en appliquer vraiment sur tout le contour des yeux. C'est une essence botanique défatigante yeux et cils qui va ouvrir et éclairer le regard, atténuer les poches et sublimer les cils. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Quand je l'utilise, je sens que j'ai beaucoup moins de ridules ou le contour des yeux sec. Parce que c'est vrai que parfois j'ai l'impression d'avoir le contour des yeux assez sec. Mais quand j'utilise, bah, c'est vraiment très bien. Il y a d'autres contours des yeux qui se suffisent à eux-mêmes, c'est vrai. Mais j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Ensuite, en crème, je vais utiliser le soin yeux jeunesse de chez Melvita, l'argan concentré pur, qui est vraiment génial. Je l'utilise depuis des années. C'est un de mes contours yeux préférés. J'aime beaucoup puisque en fait, ça va bien hydrater mon contour des yeux. Ça va également atténuer les petites ridules de sécheresse. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce contour des yeux. J'en mets pas beaucoup. La moitié d'un grain de riz suffit amplement. Et voilà, je vais passer là et je vais tapoter comme ça. Voilà. Pour hydrater mon visage, je vais utiliser le Fluid Matte Perfecteur de chez Patika. Cette crème, je l'ai découverte il n'y a vraiment pas très longtemps. Et sincèrement, elle est génialissime. J'adore la texture, son odeur. Elle n'est pas du tout comédogène. Bon, heureusement, puisqu'elle est vraiment faite pour les peaux mixtes à grasse à tendance à imperfection, il me semble. Bah, c'est pas écrit dessus, mais voilà, c'est un Fluid Matte Perfecteur, donc c'est très bien. Et là, on va dire qu'en ce moment, avec les masques, on a tout besoin d'avoir une crème vraiment qui va traiter les imperfections. Et celle-ci, je l'adore vraiment, son odeur. La texture, vraiment j'aime beaucoup 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 cette crème. C'est une de mes crèmes préférées, c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai prise avec moi en vacances d'ailleurs. Elle est vraiment géniale. Si vous avez par exemple des zones qui ont tendance à briller au cours de la journée, si vous avez des imperfections, bah, n'hésitez pas à tester cette crème si vous en recherchez une bien sûr. Franchement, celle-ci, moi je l'aime beaucoup. Patika, c'est une marque que j'adore, mais vraiment que j'adore. Si j'avais pu, j'aurais pris beaucoup plus de produits Patika avec moi. Mais le problème, entre guillemets, hein, le problème, hein, c'est que juste là, je suis en voyage. Et c'est vrai que la majorité de leurs produits, ce qui est très très bien, sont en verre. C'était beaucoup trop lourd, puisque maintenant que j'ai ma fille, on va dire que les kilos et l'espace dans la valise sont assez réduits. Mais sinon, leurs produits sont vraiment géniaux. Gros coup de cœur pour la marque Patika. Vraiment, c'est une marque que je découvre petit à petit et j'adore. D'ailleurs, leur contour des yeux jeunesse est aussi très 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 bien. Mais j'ai préféré prendre celui de chez Melvita, que j'aime aussi beaucoup. Mais j'ai pas pris celui de chez Patika, puisqu'il était en verre. Voilà, et c'était pas pratique vraiment à transporter. Mais sinon, franchement, trop trop bien. Voilà pour ma routine du matin. Et si jamais j'ai des boutons, ce qui n'est pas le cas là, j'ai des petites traces mais c'est pas vraiment des boutons. Ah si, j'en ai un dans le cou. Donc voilà, là j'ai un petit bouton dans le cou, donc je vais utiliser mon stop bouton express de chez NovExpert, mon préféré, je l'adore. Là il arrive à la fin, je suis dégoûtée. Il est trop bien, il assèche les boutons, il les cicatrise, franchement il est trop trop bien. Si vous en recherchez un, celui-ci c'est le meilleur, le best stop bouton que j'ai testé jusqu'à présent et j'en ai beaucoup testé. Celui-ci va sécher les boutons et les cicatriser très très rapidement, ce qui fait qu'il n'y aura pas de cicatrices très longtemps sur la peau et ça va pas laisser de traces sur votre peau. Donc franchement,
petit bijou. Ce stop bouton, petit bijou. Voilà donc pour ma routine soin du matin. C'est assez rapide, il n'y a pas 36 000 produits. J'aurais pu rajouter un sérum, mais comme je vous l'ai dit, j'étais assez limitée dans la valise. Donc on va dire que là, c'est une petite routine entre guillemets minimaliste. Et encore, j'aurais pu ne pas prendre l'Aqua Hypnotica. Mais c'est vrai que là, avec le soleil, je préférais quand même avoir un truc un peu plus hydratant. Et ça aussi, je l'applique parfois même sur tout le visage. Donc ça me sert en gros de sérum pour les yeux et pour tout le visage. On passe maintenant à ma routine maquillage. Les produits que j'utilise vraiment au quotidien, mon maquillage de base de tous les jours. Donc pour commencer, j'utilise comme d'habitude le multi correcteur de chez Absolution en teinte 02. Il est vraiment très bien, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. J'utilise aussi parfois sur les cicatrices quand j'en ai, sur les taches, tout ça. Et c'est un correcteur que j'aime beaucoup. Donc hop, là je le chauffe un petit peu et je vais tapoter là sur les cernes. Et quand j'ai des petites traces, des cicatrices, bah, je vais en appliquer aussi. Là j'en ai un tout petit peu. Il fait très bien l'affaire. Par contre, moi je le poudre, je vous conseille aussi de le poudrer pour qu'il tienne bien toute la journée. Je vais vous présenter une poudre là que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Oh my god, elle est trop, mais trop bien. De toute façon là, vous l'aurez compris, tous les produits là que je vous présente, ce sont des produits que j'adore, que je surkiffe. Parce que comme je suis partie en voyage, ben voilà, c'est vraiment les produits que j'ai pris avec moi. Et c'est des produits qui sont très efficaces, que j'aime beaucoup et qui sont aussi pratiques à transporter pour le coup. Donc ce correcteur va vraiment bien camoufler les cernes, les taches, tout ça. Après, il n'a pas une haute couvrance. Mais de toute façon, moi je n'aime pas en fait les choses qui sont très couvrantes. Parce qu'après, quand tu te démaquilles, tu flippes. Dès que tu vois ta tête, tu flippes. Donc ça, je n'aime pas du tout. Je préfère des choses qui ont des couvrances moyennes, qui sont modulables aussi, ça c'est très bien. Comme ça, quand on a des occasions spéciales, bah là on peut avoir une grosse couvrance. Et puis en fond de teint, celui que j'utilise, c'est le Madara Skin Equal Soft Glow Foundation. Il est trop bien, ce fond de teint. Le best en naturel, bio. Il est génialissime, puisqu'il va camoufler ce qu'il y a à camoufler. Je pense qu'il a une couvrance légère à moyenne. En fonction du nombre de couches qu'on va mettre ou de la quantité, bah on peut justement arriver à une couvrance génialissime. Il laisse un glow naturel sur la peau qui est trop, mais trop beau. Moi, j'adore. On dirait qu'on n'a rien mis en fait sur la peau alors que bah on a du fond de teint. Alors que moi, de base, j'étais pas très fan de fond de teint. Mais dès que j'ai essayé celui-ci, je me suis dit, ok, c'est celui qu'il me faut. C'est celui qui est très bien. Il va couvrir ce qu'il faut. Il va laisser un effet ultra naturel. Il va pas faire de boutons. Il va avoir un effet glowy sur la peau. Franchement, magnifique. Ce fond de teint est magnifique. J'adore. Moi, j'ai la teinte 40. Et je l'adore, franchement je l'adore. Là si je bronze un petit peu, il va plus m'aller, je vais être dégoûtée. Mais franchement j'aime trop. Là je vais en rajouter un tout petit peu avec les doigts pour intensifier juste sur les zones en fait où je veux que ce soit vraiment une couvrance moyenne. Notamment juste ici, là sur le nez, ici un petit peu là. Et voilà, et là je vais juste tapoter. Et là au niveau de la couvrance, c'est parfait. La légèreté de ce fond de teint, la fluidité du fond de teint, sa tenue également, j'ai rien à dire, l'odeur, enfin tout est bien, la texture, je surkiffe vraiment ce produit. Maintenant on va passer à ma poudre chouchou du moment. La marque, donc c'est Absolution. Ils me l'ont envoyé il y a super longtemps. Sauf que j'avais déjà une poudre à finir, donc je finissais la poudre. Mais si j'avais su, je serais passée à celle-ci direct. C'est la poudre de finition minérale à l'acide hyaluronique. C'est la teinte 10.2. Ils ont une teinte blanche translucide. Moi, ils m'ont envoyé celle qui est teintée, donc la teinte 10.2. Oh, cette poudre est trop bien. Elle fixe le maquillage super bien. Elle limite les brillances de ouf. Elle se voit pas, elle fait pas un effet cakey sur la peau. C'est la poudre de finition parfaite. Elle fait tenir l'anti-cerne, le fond de teint parfaitement. Elle va vraiment fixer l'anti-cerne, donc il file pas dans les plis ni rien du tout. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu, délicatement, un petit peu partout. Surtout, je vais vraiment insister au niveau de l'anti-cerne parce que l'anti-cerne, je veux qu'il tienne. Et je veux surtout pas qu'il file dans les plis. Et vraiment, si vous cherchez une poudre, ah mais celle-ci, c'est la meilleure. Elle est très bien, elle est ultra fine, elle fait son job. Et même en l'appliquant, bah, on a quand même l'effet naturel et glowy de la peau, mais c'est matifié. Ils ont réussi à trouver l'équilibre parfait entre l'effet matifiant et glowy, et naturel et non visible. J'adore cette poudre. Je vais vraiment insister sur la zone T. Et on sent un effet tout doux, velours sur la peau. Trop agréable. Coup de cœur pour cette poudre. Je suis deg de
pas l'avoir testé avant. Maintenant, je vais un petit peu réchauffer mon teint avec, comme d'habitude, la poudre de chez Lili Lolo, la teinte Montego Bay. Ils ont deux teintes, une très foncée, donc la Montego Bay, et une plus claire, il me semble. Donc voilà, elle est quand même assez foncée, mais elle convient très bien à mon type de peau. Et celle-ci, je vais en appliquer en 3. Vraiment que comme ça, donc ici et je vais descendre là, voilà, et je vais insister un peu là pour réchauffer le teint légèrement, un petit peu sur le front ici. Ça fait vraiment un effet tout de suite bonne mine, beaucoup plus joli, que j'aime beaucoup, donc je vais estomper comme ça. Hop, j'en mets un tout petit peu sur le nez. J'aime trop, c'est la teinte parfaite puisqu'elle n'est pas du tout orangée, l'effet est ultra naturel, franchement magnifique. Cette poudre est trop trop bien, je l'utilise depuis maintenant des mois et des mois. Vraiment, bah, vous voyez, elle est creusée. Pour avoir une poudre creusée, il faut y aller. Hein. Je vais passer au blush. Donc j'utilise le In The Pink de chez Lili Lolo, que j'aime beaucoup, que j'ai également depuis un long moment. Donc c'est un joli rose qui va tout de suite faire un effet bonne mine, que j'aime beaucoup, qui fait un effet très naturel. Un petit peu sur le nez et puis voilà. Maintenant, je vais m'attaquer aux yeux, donc je vais utiliser le crayon noir de chez Lili Lolo qui s'appelle Pencil Black, qui est très très bien. Donc je vais le mettre au niveau du ras de cils intérieur. Et je vais juste flouter un tout petit peu parce que j'aime bien quand ça fait un effet un peu plus fumé au niveau du ras de cils. Donc je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais le passer au niveau du ras de cils. Bah, il me reste le mascara et les sourcils à faire. Mais je vais faire le mascara et après je ferai les sourcils. Donc pour ça, j'utilise comme d'hab le mascara de chez Lili Lolo, le Black. C'est le meilleur mascara naturel que j'ai testé jusqu'à présent. J'en ai jamais testé un qui lui arrive à la cheville, vraiment. Puisqu'il va étoffer, il va allonger, il va apporter du volume. Un mascara trop trop bien. J'ai une petite technique pour appliquer mon mascara pour avoir un effet encore plus allongé, encore plus étoffé, tout ça. C'est de prendre un miroir, de le mettre en bas, comme ça, vous voyez. De regarder ses cils et de bien attraper ses cils dès la racine avec la brosse du mascara. Et d'étirer un maximum. Et ça permet de moins tacher sa paupière aussi. Parce que moi, je suis une catastrophe, je ne peux pas ne pas tacher ma paupière. C'est impossible. Dites-moi vous, si vous arrivez à mettre du mascara sans tacher la paupière, franchement, chapeau, vous êtes trop forte. Moi, c'est impossible, vraiment. Je me fais un smoky juste avec du mascara. Enfin, c'est horrible, quoi. Et je vais mettre à peu près 2 couches de mascara pour avoir l'effet que je recherche. Et vous voyez là déjà la différence. Est-ce qu'on va bien voir? Et voilà avec le mascara. C'est canon, non? Franchement, ce mascara est trop beau. Bon, maintenant, je vais faire mes sourcils. Pendant ce temps, le mascara va sécher. Et après, je nettoierai ma paupière. Parce que vous voyez, il est quand même bien taché tout le temps. Franchement, je peux pas ne pas me tacher la paupière en mettant du mascara. C'est impossible. Pour les sourcils, je vais utiliser la pommade à sourcils de chez Madara, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la teinte est parfaite puisque c'est un mi-gris, mi-kaki, mi-marron. Il tire pas vers le orangé, il tire pas vers le rouge. C'est un beau marron qui va s'adapter facilement à plusieurs couleurs de sourcils. Donc moi, j'aime énormément. On dirait que j'ai rien mis en fait quand je mets cette crème. Donc j'adore. Avec ça, je vais utiliser un pinceau spécial pour les sourcils. Donc je vais commencer par brosser mes sourcils vers le haut. D'ailleurs, il faudrait que je les épile parce que là, c'est un petit peu la catastrophe. Mais ça va, ça se voit pas trop. Donc là, déjà, je vais commencer par faire une ligne en bas pour que ce soit bien défini. Et après, je vais aller en haut. Hop, je vais étirer comme ça. Voilà, l'effet est ultra naturel. Franchement, on dirait que j'ai rien mis. Ça match hyper bien avec la couleur de mes sourcils. C'est juste parfait. Vous voyez, il m'en reste quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je l'ai depuis un long moment et je l'utilise quasiment tous les jours. Si vous voulez voir la différence avec mon autre sourcil... Voilà, ce produit est trop trop bien. Et ça fait un effet très très naturel. On dirait pas que j'ai maquillé mes sourcils. Je vais faire l'autre. Voilà ce que ça donne. On dirait pas que j'ai mis quelque chose. Et c'est ça que j'adore avec cette pommade. Voilà le résultat. Franchement, moi j'adore. Je peux que vous recommander ce produit parce que l'effet est ultra naturel. Très 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 joli. Et quand j'ai envie de mettre un petit peu d'highlighter, je mets celui-ci. J'ai pris le Madara, le Cosmic Drop, c'est la teinte 1. Il est trop beau, donc ce que je fais, c'est que j'en prends un tout petit peu, hop, sur le bout du doigt. Je vais tapoter. Ça fait vraiment un effet très subtil, très joli. Je crois que là, vous le voyez bien. Encore une fois, très naturel. Ça fait vraiment un très très joli glow. Et on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser également sur les paupières si on veut. Je vais en mettre un tout petit peu sur le nez. J'en ai pris un peu trop. Voilà, et ici.
J'en mets vraiment que très légèrement. Moi, j'aime bien juste avoir un petit effet glowy naturel. Ça me va très très bien. Et je vais mettre mon gloss de chez Nov Expert que j'aime aussi beaucoup. J'aime trop, il est un peu mentholé. J'adore. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller enlever le mascara que j'ai sur les paupières. Et je reviens. Pour enlever le mascara que j'ai sur la paupière, j'utilise toujours le démaquillant aux yeux biphasé de chez Mademoiselle Bio, qui est génialissime pour démaquiller les yeux. Même les maquillages waterproof, les gros make-up avec du liner, du fard à paupières, tout ça. Il y a tout qui part, il est vraiment très très bien. De toute façon, d'une manière générale, franchement, les produits Mademoiselle Bio sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Moi, j'adore leurs produits qui sont vraiment très simples, des produits de base, efficaces, abordables. Donc voilà, pour moi, c'est un sans faute. Et ce démaquillant-là, je l'adore. Et voilà, je suis ready. Vous voyez, c'est pas très très long. Ça me prend pas beaucoup de temps tous les matins de faire cette routine. Je vais ultra vite. Il n'y a pas non plus énormément de produits, en tout cas pour moi. Voilà, après, je sais que pour certaines, elles ont des routines encore plus minimalistes. Mais pour moi, voilà, là, c'est le strict minimum. Et donc voilà pour ma routine soin du matin, pour ma routine maquillage du moment. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées si vous recherchez des produits. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.